Alors. Eh ben, on a nos petits restes du midi, tu vois, la salade de carottes et puis les pommes. Ok. Eh ben, on va transformer tout ça, c'est des épluchures. Épluchures de carottes. On va les transformer en un super carotte cake. Pommes et courgettes, même. Non, c'est pommes vertes et pommes. Pommes vertes et pommes gueulemettes. Je m'y connais. Dans du sucre roux, je rajoute 2 œufs. On va les battre ensemble jusqu'à ce qu'ils moussent. Tu ne serais pas une maîtresse femme. Je vois que tu aimes fouetter. C'est vrai, mais que les œufs. Donc tu rajoutes de la farine. Et puis on va rajouter la levure. Donc c'est ce qui va permettre à notre gâteau de gonfler. Donc poudre de noisette, tu peux y aller. Tu vas verser les carottes dedans, les épluchures. Il y a 200 g d'épluchures de carottes et 200 g d'épluchures de pommes. Tu soupçonnes de faire comme les vieilles méchantes belles-mères, de ne pas donner tous les ingrédients exprès, sauf que tu es un chef cuisinier. Non, on va tout donner, on va tout partager sur nos réseaux. Mais parfois, j'ai des petits trous de mémoire. Tu me trouves. Donc, je verse. Beaucoup d'huile ? Il y a 60 ml. Et on va mixer tout ça ensemble. Et pendant ce temps, la petite souris n'est là que pour goûter les pâtes. Depuis qu'elle a 3 ans, elle ne change pas. Alors, vas-y, tu peux verser. Parce que pour la vaisselle, elle est moins là quand même. Hein. Donc, maintenant, on va rajouter un petit peu d'épices. Ça, c'est vraiment de la cannelle. Un petit peu de coupe girofle. Mais tout de suite, râpe pas les doigts. Pour l'instant, non. Souvent, je me les râpe les doigts. Ah, c'est un peu d'expérience. Et un petit peu de citron. Zeste de citron. On va mettre ça au four dans un joli petit moule. Combien de temps au four? 40 minutes à 180 degrés. C'est censé se démouler facilement. Ta-da! J'ai préparé une chantilly. On va finir le glaçage. Oui. Comment s'il n'était pas plus beau sans la chantilly. Je vais mettre un petit peu de douce d'orange. Vas-y. J'ai cherché une petite assiette. Mais n'en profite pas pour critiquer. Pas mon genre du tout. Bon, c'est le goût qui compte, hein, beaucoup chez Cyril, plus que l'aspect. Hein. Pas mal. C'est super bon.